Bonjour. Harry Potter de J.K. Rowling regorge d'easter eggs intelligents et de références qui constituent une base argumentative solide pour une pléthore de théories qui changent tout le canon. Et commente si tu apprécies la vidéo. Merci. Revelio. L'histoire du garçon qui a survécu est dévastatrice, mais certains petits détails y ajoutent une saveur particulière beaucoup plus intense pour l'histoire. Il est encore plus époustouflant que la plupart de ces théories soient fondées sur des preuves. Et les preuves se trouvent là dans les romans, l'univers étendu et les films de Rowling. Les théories sur Harry Potter peuvent offrir une perspective rafraîchissante sur les films sans éclipser les principaux événements. Rowling est célèbre pour avoir réfléchi à chaque détail de sa saga Harry Potter afin que chaque nom et numéro ait une signification plus profonde au-delà de ce qui est visible en surface. Par exemple, il est de notoriété publique que le chiffre 7 apparaît de différentes manières dans l'histoire. Les étudiants étudient pendant 7 ans à Poudlard, chaque équipe de Quidditch est composée de 7 joueurs, Voldemort a créé 7 Horcruxes, etc. Outre les détails les plus évidents, certaines théories sont acceptées comme canon non officiel de Harry Potter en raison de leur sens incroyable. Sibyl Trelawney, une fraude renommée, a fait quelques prédictions accidentelles qui étaient justes. Et l'une d'elles a eu lieu pendant le roman Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Lors du dîner de Noël annuel de Poudlard, Sibyl fut la dernière à rejoindre la table où apparemment 12 personnes étaient présentes. Elle a fait un commentaire que si 13 personnes étaient assises ensemble, la première à se lever serait donc la première à mourir. Mais la voyante n'a pas tenu compte de Peter Pettigrew sous sa forme Animagus, qui était déjà là avant qu'elle ne s'assoie. Sibyl a prédit la mort de Dumbledore puisqu'il est le premier levé de son siège pour l'accueillir au festin. Les parents de James ont succombé à la variole du dragon quelque temps avant la mort de James et Lily en 1981. Et selon Rowling, les parents de Lily et Petunia sont également morts d'une mort moldue normale avant cette date. Mais quelque chose ne colle pas. En 1981, les parents de Lily et Petunia auraient eu la quarantaine ou la cinquantaine. Cela n'a donc aucun sens qu'ils soient tous les deux décédés au moment des événements de Harry Potter à l'école des sorciers. Il est plus probable que les grands-parents maternels de Harry Potter aient été tués par des mange-morts lors de la recherche de l'emplacement de Lily et James. Cela expliquerait la haine passionnée de Petunia envers Harry et Lily, même plusieurs années plus tard. Neville Londubat gâchait régulièrement ses sorts et ses potions, mais cela pourrait être dû au fait qu'il utilisait la mauvaise baguette depuis le tout début. Pour les 5 premiers volets, Neville avait la baguette de son père. C'est pourquoi Neville était un mauvais sorcier. Contrairement aux autres enfants, il ne venait pas chez Ollivander pour que sa baguette le choisisse. C'est peut-être aussi la raison pour laquelle le seul domaine magique dans lequel il excellait était celui qui ne nécessitait pas d'agiter une baguette, l'herboristerie. De plus, lorsque la baguette de Neville a été brisée dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix, il s'est notamment amélioré en magie. Rémus Lupin a pu garder sa lycanthropie secrète pendant si longtemps, probablement parce qu'il ne se transformait que la nuit lorsque personne ne le voyait. Cependant, il n'aurait pas dû être capable de cacher aussi bien son état puisque la tradition disait que les loups-garous se transformaient pendant la pleine lune, ce qui pouvait se produire même pendant la journée. De plus, dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, Rémus est allé à Poudlard le 1er septembre 1993, ce qui tombait le jour de la pleine lune. La lune s'est levée à 20h14, bien avant que le Poudlard Express n'arrive à sa destination, donc Rémus aurait dû se transformer dans le train. Dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix, Sirius a offert à Harry un miroir sans teint dans l'espoir de parler à son filleul pendant l'année scolaire. La cinquième année d'Harry fut assez mouvementée, donc, naturellement, sa capacité d'attention était trop courte pour se souvenir du cadeau de Sirius. Non seulement le miroir aurait pu sauver la vie de Sirius et arrêter les événements au département des mystères, mais il aurait également pu permettre à Harry de communiquer plus souvent avec son parrain, s'il n'avait pas oublié l'existence du miroir. Malheureusement, la bataille au ministère fut plutôt chaotique et Sirius mourut avant de découvrir la véritable raison pour laquelle Harry ne l'avait pas contacté toute l'année. Ce qui est arrivé aux parents de Neville a été à peine mentionné dans les films. Alors que la sombre histoire de Neville a été explorée de manière plus approfondie dans les livres, il y a des raisons de croire qu'il se souvenait de la nuit où Frank et Alice ont été torturés jusqu'à la folie. Dans le roman Harry Potter et la Coupe de Feu, Harry a ouvert son œuf d'or, déclenchant un son horrible dans la salle commune de Gryffondor, ce qui a incité Neville à comparer ce bruit à la façon dont les gens criaient lorsqu'ils étaient torturés par le sortilège de Loris. C'était la malédiction pour laquelle les parents de Neville étaient torturés, et cette nuit-là, c'était la raison pour laquelle il savait à quoi cela ressemblait.
levier de notoriété publique que Severus a essayé d'aider Harry à plusieurs reprises, même si ses actions ne semblaient pas toujours bienveillantes. Dans Harry Potter et les Reliques de la Mort, Rogue était toujours sous couverture pendant la bataille des Sept Potters. Il ne pouvait donc pas révéler de quel côté il était réellement. Visant un Mangemort, il a accidentellement touché George Weasley à la place, lui faisant perdre une oreille. La chouette de Harry, Hedwige, a été une autre victime de la bataille, mais il existe une théorie selon laquelle la Avada Kedavra avec lequel elle a été frappée n'était pas aléatoire. Rogue aurait pu être celui qui a tué Hedwige dans le but de faire du vrai Harry une cible beaucoup moins évidente. Draco et Lucius Malfoy n'ont jamais eu la relation la plus équilibrée. Draco respectait son père et lançait souvent des menaces qui impliquaient que Lucius entende parler de ça. Mais il y avait aussi beaucoup de peur instillée chez le jeune Malfoy. Par exemple, il était trop terrifié pour refuser l'offre de devenir un Mangemort. Compte tenu des tendances abusives de Lucius et de l'hyperconcentration de Draco sur le plaisir de son père, il n'est pas difficile d'imaginer que la pire peur de Draco était soit Lucius lui-même, soit de le laisser tomber. Si Draco avait eu la chance d'affronter l'épouvantard dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, il se serait sûrement transformé en son père. Les films Animaux Fantastiques ont révélé ce que Albus Dumbledore a vu dans le miroir quand il était plus jeune, mais le désir le plus profond de son cœur aurait pu radicalement changer avec le temps. Dans Harry Potter à l'école des sorciers, le professeur Dumbledore a dit à Harry qu'il avait vu une paire de chaussettes épaisses en laine dans le miroir, mais cela ne semblait pas crédible à l'époque. En réalité, le directeur n'aurait peut-être pas menti sur son désir le plus sacré. En fait, il aurait pu voir une paire de chaussettes que lui avait offerte sa sœur Ariana, qui passait ses journées enfermée à la maison et devenait très compétente en tricot. Severus et Harry sont partis du mauvais pied dès le début, quand Harry a mis les pieds pour la première fois dans le cours de potions de celui-ci. Dans Harry Potter à l'école des sorciers, Rogue a demandé à Harry ce qui se passerait s'il mélangeait de la poudre de racine d'asphodèle avec une infusion d'absinthe, sans s'attendre à ce qu'il réponde correctement. Selon le langage victorien des fleurs, les mots de Rogue avaient une signification cachée beaucoup plus profonde. L'asphodèle, qui est une sorte de lys, se traduit par « mes regrets vous suivent jusqu'à la tombe » et l'absinthe signifie l'amertume et le chagrin. Alors qu'a voulu dire le maître des potions à Harry Potter? Peut-être il a voulu lui dire « je suis profondément désolé pour la mort de ta mère ». Comme quoi, en regardant plus profondément, ça change quand même pas mal l'histoire. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Si tu vois d'autres choses, n'hésite pas à me le faire savoir dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye bye.